Salut à toutes et à tous amis gamers et gameuses, geeks et geekettes, c'est Koyou et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de gameplay découverte sur le jeu Get Even, comme vous le voyez ici en haut à gauche. Un jeu développé par The Farm 51, édité par Bandai Namco Entertainment et qui est sorti le 21 juin 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Au niveau du prix, il faut savoir qu'il est aux environs de 30€. Je vais lancer une nouvelle partie, sauf peut-être sur PC, parce que là, vous avez toujours la possibilité, c'est assez sympathique d'ailleurs, de le trouver un peu moins cher sur quelques sites bien connus des PCistes. Donc ici, il s'agit d'un jeu d'action FPS, avec un côté narratif assez intéressant, semble-t-il, où l'on va jouer Black, un mercenaire, tueur à gages impitoyable, qui va se réveiller dans une espèce d'asile désaffecté, sans souvenir, sans savoir pourquoi il est là, ni ce qu'il a à faire, ni pourquoi il est là. Et alors on devrait, d'après le pitch trouvé sur Steam, recevoir des instructions de notre ravisseur, donc quelqu'un qui nous aurait kidnappé, qui se ferait appeler Red. Et là, on apprendrait qu'on serait en plein traitement qui serait délivré à partir d'une technologie assez exceptionnelle, puisqu'il s'agirait d'un casque, un peu comme un casque de réalité virtuelle, qui s'appelle le Pandore, et qui permettrait tout simplement de revivre dans le présent tous ses souvenirs. Donc, on commence comme ça l'aventure dans, je suppose, le bâtiment que l'on a vu là, avec toutes ces têtes qui se sont un peu enchaînées. Et voilà, c'est parti donc pour cette petite découverte. Et vous voyez, on a un joli téléphone en bas à droite avec un message. Black, ne venez pas au point d'échange, on a la fille et vous ne pouvez pas la sauver. Laissez les choses se faire. Bon, je viens d'arriver dans ce jeu et on me dit déjà que je vais pas y arriver. Le Koyou est connu partout, même par les développeurs de ce jeu. Mais bon, on va quand même essayer. C'est quand même assez joli, ma foi. Donc là, on est en extérieur, vous voyez, il y a un drone là, juste devant moi, avec une lumière. Et il y a encore quelque chose en dessous là, je pense que c'est une personne. Qui a un truc sur la tête. Ah oui, d'accord, il a une cagoule, donc on va pouvoir prendre son flingue. Et je vais essayer de lui mettre une balle. Merde. Tiens. Voilà. Bon. Il m'a fallu 3 balles, mais c'est pas grave. Alors, on va ramasser son pistolet. Oh, mais il a un drôle de truc au bras, lui. Hein. Enfin. On va aller voir ce qui se cache là-dedans. Donc, on va sortir le smartphone. Alors là, au niveau du smartphone, j'ai paramétré un peu mes touches parce que je joue clavier-souris. Mais il faut savoir que le jeu est jouable totalement à la manette et, aussi. Donc, ceux qui sont allergiques ou combo clavier-souris, ben pas d'inquiétude, ça fonctionne très bien à la manette, paraît-il, donc il a un support complet. Donc au niveau du téléphone, en paramétrant les touches, j'ai découvert donc qu'il y avait plusieurs fonctionnalités intégrées, comme la lampe, donc vous voyez, je peux l'allumer. Il y a le détecteur d'indices, donc vous voyez, c'est avec ceci que je devrais pouvoir scanner des environnements, ou des objets, je ne sais pas encore. Vous avez également une vision thermique. Donc là, les lumières vertes sur le côté, effectivement, j'en ai une. Vous guide vers l'épreuve à proximité. Donc, ok, donc ça, je vais voir. Donc nous avions la vision thermique. Vous avez l'affichage d'une carte. Vous voyez. Donc ça, c'est assez pratique. Et finalement, vous avez la partie message. Donc avec le message que nous avons déjà eu tout à l'heure. Et une dernière, qui est simplement les photos qui sont stockées dans celui-ci. Donc, on va reprendre le scanner. Essayer d'analyser le drone cassé. Donc là, vous voyez, les lumières, il y en a une deuxième qui s'est allumée. Là, des coins de rectangle, donc on se rapproche et voilà, je peux scanner l'objet. Et là, le téléphone... C'est un drone militaire, donc... On se demande bien ce que ça fout là. On va rentrer dans cette pièce avec des jolis tags. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Donc, on va aller par l'autre côté. Vraiment, les textures sont relativement fines, je trouve. Ici, je joue en 2K, donc c'est vrai que c'est une résolution assez forte.
D'ailleurs, c'est la résolution dans laquelle je vais poster cette vidéo. Donc, pour ceux qui ont les écrans et le matériel adéquat, vous pourrez visionner cette vidéo en 2K, mais également en 4K. Donc, vous aurez un aperçu assez, assez précis du jeu. Donc là, vous voyez, je suis tombé par hasard dessus, mais je peux scanner cette partie. Et on trouve de l'ADN d'une femme qui a entre 18 et 22 ans. Donc là, on nous dit l'application lumière UV révèle des taches de sang. D'accord. On rentre dans la pièce suivante. Encore une fois, regardez les jeux de lumière avec les petites particules. C'est vraiment très sympa. Là, j'ai deux lumières vertes. C'est peut-être bien... Ouais, voilà, vous voyez. C'est bien le mégot de cigarette. Cigarette. Partial fingerprint found. Et donc on a un mégot avec une empreinte digitale partielle, mais malheureusement qui n'a aucune correspondance dans la base de données. Bon, moi on aura essayé. Hein. Donc là on va continuer de fouiller les lieux. Là on va devoir descendre. D'accord, donc apparemment... Ouh, je l'avais pas vu. Mais le tutoriel me dit que je peux l'agresser. Tiens. Et voilà. Ça t'apprendra à tirer sur un mur. On ramasse son flingue. On va fouiller quand même ici. Comme ceci. Ah, une porte. Mais c'est pas la bonne. Donc apparemment, j'ai pas vu, mais on est le 20 juin 2015. Et il est 8h36 du matin. Là, une lumière verte. Donc je suppose qu'il y a quelque chose sur le banc. Ah bah voilà, j'ai pas dû chercher longtemps. Hein. On va savoir qui est ce monsieur. Analyse balistique, arme reconnue, pistolet semi-automatique. D'accord. Donc la photo, on ne sait pas encore qui c'est, mais il y a une balle dans chaque œil. Apparemment, l'autre là-bas ne devait pas l'aimer beaucoup. On va continuer, et apparemment on va encore devoir descendre. Je suppose que ça sera assez sombre... Ah mais ça va, il y a de la lumière. Hein. Et on entend des voix. Mais contrairement à celles de Hellblade, elles ne sont pas dans notre tête, elles sont bien là. Et donc les voix sont à l'étage du dessus, donc on va mettre sur les conseils du tutoriel la carte. Et effectivement, on voit, vous voyez, deux triangles rouges là qui se déplacent. Donc je vous propose de les suivre. Au petit pas de course. Sinon on va les perdre, ce serait dommage. Et donc il se dirige là, toujours en parlant. Hein. Donc on va continuer tout en fouillant, on ne sait jamais. Hein. On va continuer d'avancer. Donc ils se dirigent de ce côté-là. On va les suivre. Ah, ça tourne à droite. Et ensuite, ils se dirigent sur la gauche. Monsieur Bissu, on va l'emprunter. Hein. Et je sais pas si vous entendez, mais écoutez cette musique. Ça devient de plus en plus oppressant. Oh là. Lui, il cherche à téléphoner, il cherche du réseau. Oh, sympa. Incline le corner gun sur la droite. Appuyez sur E. Oh, c'est bon, ça. Donc le type a plié son flingue en deux, ce qui me permet de lui tirer dans la tête, tout en restant camouflé derrière le mur, donc magnifique. Il était bien au téléphone, avec sa femme. Bonjour madame, tu es veuve. Ouais, définitivement il est un peu mort, allez. J'espère qu'il avait une bonne assurance vie. Ah, voilà notre objectif.
Why is the bomb armed? Where the fuck is Mike? He's probably on his phone. Fucking typical. Find him. Il a un accent anglais, celui-là, c'est assez fort, je trouve. Who's that? Et on s'est fait gauler. Boum. Et boum. Oh, c'était bien ça, ce bullet time. C'était de toute beauté. Bonjour, mademoiselle. Mais non, je suis venu te sauver. D'accord. Elle a une bombe. Eh, j'ai pas le code, moi, madame. Oui, j'ai pas le code. Mais y a rien. Avec le téléphone, peut-être. Ah, elle a entendu le code. 3001. Et voilà, 4 secondes, c'est fait. D'accord. Je suis pas sûr qu'elle ait bien entendu le code, parce que j'ai fait le bon, mais... Apparemment, ça a quand même pété. Et là, vous voyez, on a des images assez bizarres. On revoit les images de la fille, mais avec une vue comme si on était sur un brancard et que l'on se baladait dans un couloir en regardant le plafond. Et ça nous a quand même pété à la gueule. Là-dessus, on se retrouve dans un jardin avec un mal de tête, pas possible. Mais au moins, il se souvient qu'il y avait une bombe, une fille et lui. Ouais, il a du mal de se relever, le pépère. Ouais. Il n'y a rien dehors. What the fuck is going on? Ouais, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Donc, okay. On a un message. J'attends dans le bâtiment B, comme convenu, Red. Avec une jolie statue, regardez ça, ces effets de lumière. Je trouve ça assez joli. Pour un jeu à 30 balles. Hein. Enfin, même 16 balles, moi je l'ai eu à 16 euros. Donc. Ah, vous voyez, il y a un truc à capter. 3 barres. Donc je dois prendre mon scan. 2, 3. D'accord, donc ça doit être par là. Ok, donc c'est plus par ici. Ah, un petit... Le voilà. Ok, on va scanner. Ah bah oui, je l'avais pas vu. Regardez, c'était l'espèce d'horloge qui était au pied de la jeune fille lorsque on a essayé de désamorcer la bombe avec toujours ce message ADN trouvé d'une femme entre 18 et 22 ans. Donc là, il s'agit du bâtiment A. Et nous, on doit aller dans le B. Avec encore une statue ici. Ah, le voilà. Le fameux bâtiment B. On va aller voir ce qui se passe là-dedans. Je peux pas monter là-haut. D'accord, la porte s'est fermée. Toute seule, hein, bien évidemment. Alors ici, on va allumer la lampe. Une jolie seringue avec une longue aiguille que j'ai pas envie de me prendre dans le derrière. Et une fantastique chaise électrique, de toute évidence. Ou chaise de torture, en tout cas. J'aimerais pas avoir ce genre de truc sur la tête. On va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. On va repasser en vue avec le scan. Parce que vous voyez les petits points verts qui s'affolent. Ah, je m'en éloigne. Donc, je vais rester ici et faire le tour du proprio. On va regarder. Ah, il y a quelque chose là. Un bras. Un bras en bois. Je pensais qu'il était vrai au début. Et il s'agit... On a trouvé un ADN du patient 9-12. Plus exactement, le patient 9-12. Est-ce que je peux ouvrir? Non. Là, il n'y a rien. Ici, je ne peux pas passer. Une télé. On va l'éteindre. Ça se voit que c'est pas eux qui payent l'électricité. Ah, vous voyez, encore le truc vert. On va ouvrir ce truc-là. D'accord, un sympathique mannequin. Et en plus, on peut le scanner. Détection en cours. DNA found.
Et donc là, on a trouvé de l'ADN du patient 219. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la date et l'heure ont changé. On est le 22 juin à 6h36. Alors, on va ouvrir ces trucs-là. Comme ceci. Mais apparemment, il n'y a rien. Là, je peux pas passer. Là, il n'y a rien. Ah, là, il y a un trou. Je n'y vois rien. Donc, on va allumer la lampe. Oh, joli. Des traces de pas avec la lampe. Ah, ouais, d'accord. J'aurais pu les détecter apparemment un peu avant. Regardez. Ah, c'est sympa, ça. Donc, apparemment, je peux m'accroupir et passer là, mais je vais quand même fouiller les alentours. Donc, ici, on a une affiche qui nous dit « Les médicaments ne vous aideront pas. Besoin d'aide, n'attendez pas, appelez-nous. » Avec un joli QR code que voilà. Donc, est-ce que je peux le scanner? Non. Donc, on va repasser avec la lumière, fouiller cette pièce, ouvrir ce placard dans lequel il n'y a rien. Donc, il nous reste plus qu'à passer dans le trou, hein. Fuck's sake, come on. Eh ouais, quelle galère. Donc, oh, tu t'es encore engagé, mon gars. Donc là, les traces de pas partent à droite, mais j'aimerais bien... On va peut-être fouiller pour voir ce qui est ici, hein. Et nous avons... apparemment, le local électrique avec des... J'allais dire, oui, des compteurs et des disjoncteurs. Bon, apparemment, il n'y a rien. On peut pas interagir avec, donc... On va suivre les traces de pas... qui viennent ici. Oh, ça c'est bon ça. Regardez, les traces de pas vont là. Mais regardez ce que nous avons là. Un petit singe avec les cymbales. Eh ben voilà, ça me permet de vous faire découvrir Koyu numéro 1. C'est une des personnes qui habite dans ma tête. Et, c'est elle qui s'active lorsque l'on me parle et qu'on me dit des choses qui sont pas intéressantes à mon goût. Eh ben ce petit singe commence à taper dans ses cymbales là et je pars dans un autre monde. Je vous présente donc Koyu numéro 1. Peut-être que vous aurez la chance de découvrir les autres personnes qui se trouvent dans ma tête. Il est trop marrant, ce petit truc-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici en bas? Ma lumière s'est éteinte, c'est quoi ce truc? Et j'entends la jeune fille pleurer. Mais au niveau ambiance sonore, franchement, c'est... Je vous conseille d'y jouer avec un casque et dans le calme. Parce que franchement, l'ambiance sonore est assez prenante et la musique qui change en fonction de l'environnement où vous êtes, c'est vraiment très bon. Alors là, une porte, pas de serrure, mais un bouton. Bah, on va appuyer dessus. C'est pas moi. J'ai rien fait. Bon, apparemment, j'ai tout pété. Donc le circuit électrique du bâtiment est instable, je dois réinitialiser au disjoncteur. I could chase them back to them. Ouais, les fils sont probablement très très chauds. Ah bah oui, on va utiliser la vision thermique. Regardez, on voit le fil rouge de l'interrupteur qui part par là. On va le suivre. Et au pas de course. Comme ça, on perd pas trop de temps. J'aimerais bien ne pas faire une découverte trop longue non plus. Mais je vous ferai probablement un petit test. Oh, Koyu numéro 1 est tombé. Bon, allez, au revoir, Koyu numéro 1. Le fil, où est-il? Ouais, donc c'était bien la bonne direction. Donc là, nous voyons le fil rouge qui va par cette porte. Et qui va, bah voilà, c'était le local électrique de tout à l'heure, vous vous rappelez, avec les disjoncteurs. Et apparemment, celui-ci est un peu plus chaud que les autres, donc on va l'activer. D'accord. Celui-là, apparemment, a fait chauffer celui d'à côté. Ok, bah c'est sympa, parce que la vision thermique nous permet de connaître l'ordre dans lequel on doit rallumer les disjoncteurs. Et Lux Fuit, un petit rappel de latin. Oui, j'ai fait 4 ans de latin, malheureusement, donc la lumière fut. Et on va redescendre, puisque maintenant le courant est rétabli... Recoucou Koyu numéro 1. Et on va se dépêcher. On va aller voir ce qu'il y avait derrière la porte. Oh là! Oh, la jeune fille. D'accord, elle m'accuse. Elle dit que c'est de ma faute et que c'était ma responsabilité.
C'est facile, on accuse toujours le Koyu quand quelque chose ne va pas. Voilà. Ouais, si c'est comme ça, je m'en vais. Ah, vous voyez, il y a trois lampes vertes sur le téléphone, donc il y a quelque chose à scanner, mais... This is me. What's going on? Donc, hello? On dit que c'est lui. Bon, on va regarder le photo. Hey! Donc avec la roulette, on peut descendre sur la photo. Il a une bonne tête, on va dire. Qu'est-ce que je faisais là? D'accord. Enfin, plutôt, qu'est-ce qu'il faisait là? Ensuite, on a toute une série d'autres documents, apparemment. Le fameux drone, contrôleur de drone FDG, d'accord. L'autre photo, c'est le fameux tissu. On va regarder d'abord toutes les photos, puis on finira par la lettre. En fait, ce sont tous les indices que j'ai trouvés. Je pense que j'ai dû certainement passer à côté de certains indices, parce qu'il y a encore pas mal de place sur le bureau, mais on va lire le petit courrier qui est ici. Donc le jeu est en anglais, désolé, et il est sous-titré intégralement en français, donc vous le voyez, en appuyant sur une touche, on a la traduction directe. Donc Cole Black, après avoir quitté l'armée il y a 7 ans, il semble que Black ait perdu plusieurs années de sa vie en sombrant dans l'alcool et occasionnellement dans la drogue. Pour arriver à financer une telle hygiène de vie, il a commencé à faire de petits boulots en tant qu'agent de sécurité. Petit à petit, il a réussi à se forger une réputation d'homme déterminé et prêt à combattre si la situation l'exige. De fil en aiguille, Black est devenu un mercenaire et a laissé de côté l'alcool, qu'il a remplacé par les frissons que procurent ses nouvelles missions. Un petit barjot, quoi. Bien que ses contrats lui rapportent gros, Black ne semble prêter attention à l'argent que pour mesurer l'importance du contrat et le sérieux de son client. Les rapports psychologiques présentent Black comme une contradiction ambulante. Il est incapable de tuer sans être assailli par un sentiment de culpabilité. Pourtant, tuer lui permet de donner un sens à sa vie. D'après nos informations, il n'a aucun proche ni ami. En gros, on est un psychopathe, sociopathe, et on n'est pas bien dans notre tête. Alors, bon, là, il y a un truc à scanner. Une bonbonne de gaz. Gaz anesthésique halothane. D'accord. Bon, on va pas jouer avec. Hein. Shit. Ok. J'ai déjà regardé, mais il y a... Ah, Mr. Black. Bon, on va profiter de ce qu'il vit. Hein. Donc lui, il nous parle d'un traitement. Donc là, il me dit de respirer. Avec la musique qui devient pressante. Et bah oui, il a ouvert la bonbonne de gaz, ce con. Hein. Forcément, je vais tomber dans les pommes. Et voilà. Dodo, Koyu, dodo. Avec cette petite... ce petit bip là, un peu comme dans les hôpitaux quand vous avez un truc pour surveiller votre activité cardiaque. Et là on est où? What the fuck? Il aime bien l'expression what the fuck. Hein. Relax, breathe. Non, c'est marrant, il y a un type avec un casque. Minor confusion is expected. What? Mais ça a l'air d'être nous en fait. Ça, what c'est the hell bien, is this thing on my head? Ouais, ça devait être nous. Hey! Calm, Mr. Black, that's all I ask. Donc la confusion serait un effet secondaire du traitement. Et il nous confirme qu'on est entre de bonnes mains. Et si ça peut nous aider à rester concentrés, on peut l'appeler Red. Donc on a été drogué. Ouais, d'un autre côté, t'étais un drogué avant, donc t'étonnes pas. L'heure n'est pas aux questions. D'accord. Bon. Bon, on va rallumer notre petite loupiote. Parce que la batterie de notre smartphone est assez bonne apparemment. Donc là vous voyez, on est le 22 juin 2015, 6h45. Et on va continuer notre exploration, mais... Là il y a un flingue, on va le prendre. Hein. Voilà. Wait. Allez, viens. Viens Red, viens. My gun. Consider it security, Mr. Black. Donc il dit que c'est une protection et une preuve de confiance. How can I trust you? When you knock me out and put this thing on my head. To explain, your memory was damaged. Donc, apparemment, il nous a mis lui-même le casque et nos souvenirs ont souffert de l'explosion, donc on a bien été touché par l'explosion. Et les questions, c'est pourquoi on était là et qui était cette fille.
Et nous, on a répondu, on était là pour sauver la fille. Il a dit, bah voilà, on avance. Ouais, on peut casser les télés. C'est pas bien, mais bon. Je vais reprendre le téléphone. Ah, il y a un truc rouge là-bas dans le coin. Une caméra, vous avez vu? Souriez, vous êtes filmé. D'ailleurs, il y a 2.3. 3 points verts. Ah, ben voilà. On peut scanner le casque qui est sur le bureau. Pour apprendre. Unité mémorielle RR03, nom de code, Pandore slash savant. D'accord. Alors on va regarder l'affiche sans plus tarder. Regardez, on peut défiler. On va lire quand même ce qui est écrit dessus. Casque prototype RR03 de représentation mémorielle, nom de code, Pandore slash savant. D'accord, bon. On va continuer d'explorer les lieux. Donc là on est dans un couloir. Là, il y a un matelas avec du sang, mais je peux pas rentrer, donc on va lire l'affiche. On va mettre ça en français, hein. Comme ça, je pourrais vous lire rapidement. Donc apparemment, on est bien dans un hôpital psychiatrique, celui de Lyndhurst, Spirehouse Lane, Blackwell. Bon, d'accord, ça c'est bon. Numéro du patient 6-17, John Keating, qui habite 112 High Street, Bromsgrove. Il est né le 9 du 11 1956, donc il a 40 ans à la date du téléphone. Lieu de naissance, Worcester, comme la sauce. C'est un homme caucasien, cheveux roux, yeux verts, 1m89 pour 78 kg. Une belle bête. Et donc il a été admis le 10 du 10 1996. Remarque générale, le patient était professeur de littérature anglaise au lycée de Sonnerfeld. Après un accident de voiture, il aurait développé un syndrome de Clover-Bussy. Information sur le cas. Il y a 2 semaines, le patient a été blessé dans un accident de voiture. Quand il a enfin repris connaissance, il présentait d'étranges symptômes. Il était incapable de reconnaître sa famille et ses amis, semblait anormalement calme, à la limite de l'apathie, et tentait de mettre toutes sortes d'objets dans sa bouche, comme son calepin et des gobelets en carton vide. Hyperoralité. Décidément, il y a des termes là-dedans. Après avoir été diagnostiqué, le patient a été transféré dans notre établissement et nous avons commencé un traitement à base de... Attention, carbamazépine. Pas trop envie d'en prendre de la carbamazépine. Déjà rien que le nom. Là il y a un type qui dort, vous avez vu. Ah ben je peux le scanner. Avec le même type de casque que celui que l'on porte apparemment. Il s'agit de Walt Kaufman, 28 ans, forces armées, unité classifiée. Ouais, forces armées. Bon. On va lire sa fiche. Donc je vous passe les détails, hein. C'est le patient 223, Walt Kaufman, donc né le 11 du 12 1969, tu vas payer une tournée, 28 ans, lieu de naissance Worcester, toujours comme la sauce, c'est un homme caucasien, brun aux yeux bleus, 1m86, 75 kg, donc encore une belle bête, remarque avant manipulation, surveillance permanente non nécessaire, admis le 16 du 11 1997, remarque générale, le patient souffre de troubles de l'anxiété et d'une éventuelle dépression, en apparence calme. Lorsque quelqu'un prend une décision pour lui, il s'agite frénétiquement quand il doit faire un choix par lui-même. Docile et passif de nature, le patient devient rapidement anxieux et râleur s'il se trouve seul pendant de longues périodes. Information sur le cas, le patient a été admis alors qu'il hurlait et pleurait dans un supermarché. Il n'y a peut-être plus la sauce qu'il voulait acheter. Hein. Dans le rapport de police, on peut lire que le patient murmurait « Ils sont déjà là, ils savent ce que j'ai fait, ayez pitié de moi ». Après un examen rapide, le patient a été placé sous sédatif, transféré ici. Un entretien psychiatrique immédiat démontrait une obsession de la morbidité. Encore un terme à coucher dehors, la mort et le meurtre. Le patient parle énormément, mais est incapable de répondre aux questions. Donc, en gros, c'est un barjot. Donc, ici, nous avons encore des patients. Le patient 5-18, bipolaire, donc il a des troubles bipolaires, lui. Ça doit être sympa. Le patient 2-13, il a apparemment un problème de dépression assez important. Et le fameux patient 7-46, qui est alcoolique et a des hallucinations. Puppet Master Worshipper, d'accord. Ça a l'air très très bien tout ça. Donc vous voyez, j'ai encore des lumières vertes là. Il y a quelqu'un qui me parle. Je peux le scanner. Donc le monsieur me parle. Tu crois avoir tout compris sur moi, tu vas voir, je vais me faufiler derrière toi. Non, non.
Je ne mange pas de ce pain là, monsieur. Laissez-moi, tranquille, surtout par derrière. Correspondance. Leonard Shelby, 31 ans. Rapport de personne disparue 0210. Affaire datant de septembre 2000. Donc le père, ça fait déjà un moment. C'était quand? Ouais. C'était il y a 15 ans. On va lire sa fiche. Donc on est toujours dans l'asile de Lyndhurst. Avec le patient 307, Shelby Leonard. Âge 30-35 ans. Lieu de naissance inconnu. C'est un homme caucasien, cheveux bruns, yeux noisettes, 1m86, 79 kg. Le traitement spécial à déterminer, remarque avant manipulation, surveillance permanente nécessaire, pensée morbide et tendance suicidaire. Ce patient manifeste des risques d'automutilation très élevés. Date d'admission, le 12/6/1997. Remarque générale, le patient souffre d'amnésie dissociative. Il présente une vision erronée de lui-même, de son passé et du monde de façon générale. Le patient affirme avoir vécu un traumatisme récent, mais il est incapable de se souvenir des détails. S'il en a la possibilité, le patient a tendance à errer dans les couloirs de l'hôpital sans destination précise. Pardon. Quand on lui demande où il se rend, le patient répond systématiquement « ici ». C'est logique, hein ? Avant de s'asseoir à l'endroit où il a été arrêté. Information sur le cas, le patient s'est rendu de lui-même au commissariat de Whitehall et avait un comportement des plus étranges. Pendant son entretien, il ne cessait de réclamer Catherine, sa femme. Un peu plus tard, le patient ne présentait plus aucun souvenir de la dite Catherine. Après avoir tenté de se suicider, alors qu'il était en garde à vue, le patient était transféré dans notre établissement. Donc je confirme, on est bien dans une boîte de Barjo et je sens que je vais m'y plaire comme un coq en pâte. Donc je vous propose d'avancer encore un tout petit peu et puis là la vidéo arrive à 20 minutes. On va encore éteindre la télé, hein, puisque de toute façon on ne peut rien faire avec. Hein. Ah! Il y a quelqu'un qui me parle, t'as réussi à sortir, comment tu as fait? Donc ça a l'air de venir de par là. Just hang on. What's going on here? Where are we? Donc je dois appuyer sur l'interrupteur. Je dois l'aider. Je t'ai scanné mais j'ai pas vu le résultat du scan. Alors je le refais une seconde fois. Samson Charnel, patient 3-09. D'accord, bonjour, 309. Oh, vous avez vu, on peut aller par là encore. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais tiens, pourquoi on peut ouvrir ça? On va quand même l'ouvrir, c'est peut-être marrant à faire, allez hop. D'accord. On va suivre les fils. Bon, c'est peut-être la poignée là, tout simplement. Je peux pas prendre ça? Et là. Ah, ça a ouvert l'autre porte. Tu ne le regretteras pas. Je te promets, tu ne le regretteras pas. T'as intérêt. Mais par contre, ça c'est intriguant, voilà. N'oubliez pas que toutes vos actions ont des conséquences. Donc vous voyez, dans ce jeu, vous avez des choix. Là, j'aurais pu le laisser dans sa cage. Hein. C'est une cage, hein. C'est une petite prison. Et dès que je l'ai ouvert, le jeu m'a averti. Voilà, attention, bah, t'as pris un choix, t'as fait une décision. Eh bien, ça aura des conséquences et il faudra les assumer, donc pas un souci. Donc c'est encore un bon petit point pour ce jeu que je trouve vraiment sympa, mais bon, je vais pas encore m'emballer sur ce jeu. Je vais d'abord le découvrir et le dévorer pour vous faire un petit test dans les jours qui viennent. Comme ça, ce sera plus sympa et comme ça, la découverte n'aura pas été trop longue et je n'aurai pas fait de spoil. Et je vais vous lire juste pour terminer cette vidéo cette... page de journal, donc du Warshire Weekly, qui date du 21/10/2010, la page 1. Sombre manœuvre, l'horreur d'un asile, par Richard Bachman et Brian Evanson, construit en 1962 pour accueillir 500 patients. L'hôpital psychiatrique de Lyndhurst en comptait au maximum plus de 2000 au milieu des années 80. 15 ans plus tard, l'établissement a été contraint de fermer ses portes en raison de nombreuses allégations de la part des anciens patients qui fustigeaient les traitements peu orthodoxes et scandaleux employé par son directeur, le docteur William Benway. Plusieurs articles de presse ont également étayé les dires de ses patients. Benway était convaincu que les troubles mentaux étaient causés par des infections et que la méthode la plus directe pour soigner une telle pathologie était de retirer la dite infection. Les rapports indiquent qu'ils arrachaient les dents des patients, c'est bon ça, et s'ils estimaient que le traitement n'avait pas d'effet, qu'ils n'hésitaient pas à procéder à l'ablation d'autres parties du corps,
Ah ben voilà, je m'en doutais, comme les testicules, l'utérus, les ovaires ou l'estomac. Il affirmait que sa méthode présentait un taux de réussite de 90%. En réalité, la plupart des patients mouraient, ce que Benoît aimait appeler la guérison ultime. Benoît et ses traitements ont fini par valoir à l'asile de Litters le surnom de l'hôpital des dents perdues. On a de la chance, hein, ça aurait pu s'appeler l'hôpital des testicules perdus ou l'utérus perdu, mais on échappait au pire. Donc vous voyez, un jeu avec une ambiance quand même assez particulière, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations dans ce jeu. Est-ce qu'il y aura des réponses? Je l'espère. Est-ce que le scénario tiendra la route? Je l'espère également. Il nous dit qu'on aurait mieux fait les ignorer pour le bien du traitement. Et donc, où j'en étais, moi, avant que ce gougnafier m'interrompe. Donc, un jeu vraiment ambiance, avec le scénario qui, à mon avis, est au centre du jeu. Donc, c'est pas un jeu d'action où vous allez devoir faire 36 000 opérations, sauter, courir, faire un vol plané. Oula, il m'a fait peur, lui. Mais c'est qui va me tuer, lui? Oh, mais j'ai un flingue, moi. Oh, purée. Ah ben je l'ai échappé belle. Hein. Il m'a fait peur en plus. Bon ben voilà. Comme vous voyez, ben en plus de tout ce que je viens de vous énumérer, il y a parfois de petits jumpscares. En tout cas moi, le type m'a complètement surpris. Et c'est sur cette petite surprise de ce patient très très sympathique de cet hôpital, très très sympa également, que je vais vous laisser en espérant également que cette vidéo des découvertes vous aura plu. Moi en tout cas j'ai hâte de découvrir la suite de ce jeu qui m'intrigue énormément, et ce depuis ses premiers trailers. Je l'avais un peu suivi quand même lors des annonces qui étaient faites sur celui-ci, et quand j'ai vu qu'il était qu'à 16€ sur PC, ben, j'ai fondu dessus comme une bouse. Mais bon voilà, encore un jeu de plus à finir, mais j'adore ça, donc voilà. Donc sur ces belles paroles, je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter, partager, liker ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça ne coûte rien et ça me fera plaisir d'avoir des abonnés supplémentaires pour me donner leur avis sur mon travail. Et je vous dis alors à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.